toute cette salle orange en ovation. Promouvoir l'excellence scolaire chez les jeunes issus de familles modestes, tel est l'objectif du projet Génération Orange. C'est au sein de l'INPHB de Yamoussoukro qu'a eu lieu la cérémonie de lancement du projet Génération Orange, 4e et 5e promotion. Ce sont 194 élèves qui ont été distingués. Ce programme consiste à octroyer des bourses de 3 ans et un parrainage par les bénévoles d'Orange aux élèves excellents et socialement défavorisés orientés en seconde. Chaque année, pour choisir nos élèves, nous recevons de la direction des orientations et des bourses la liste des 100 meilleurs nationaux orientés en seconde. Ensuite, une enquête sociale est réalisée avec l'expertise de la DEMOS auprès des élèves et de leurs familles pour sélectionner les 40 élèves qui vont être accompagnés pendant les 3 années du lycée. Donc c'est vraiment une corrélation entre excellence scolaire et soutien social. Offrir vraiment une telle chance à des élèves qui sont déjà intelligents, c'est démultiplier leur potentiel. Et je trouve que c'est un exemple vraiment admirable. Initié depuis 2012, soutenir les jeunes élèves issus de milieux modestes, c'est l'un des objectifs majeurs de ce projet, au plus grand bonheur des bénéficiaires. Je suis très heureuse d'avoir reçu la bourse de Orange et je les encourage encore à continuer ce projet parce que c'est vraiment, vraiment un soutien très, très, très important pour les enfants en difficulté. Lorsque tu es issu d'une famille modeste, ce n'est pas une fatalité. Voilà, à travers le travail, tu peux être élevé. Et c'est à cet effet que je suis ici présent. Ce programme prend en compte les meilleurs élèves sélectionnés tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Cette initiative de la Fondation Orange Côte d'Ivoire s'inscrit dans la volonté de la structure d'investir dans les problématiques quotidiennes des Ivoiriens, entre autres l'éducation et la santé.